super facile, non, normal. Feel, ok, ben c'est bien traduit en tout cas. Feel what it's like to be a true hero in Punch Club, but without ratchet cooking and breaking your mouth. Tous les adversaires seront équilibrés en cours de partie en fonction de vos statistiques. Ça s'appelle pas hardcore. Comment je l'appelle? Ah mais non, je pourrais choisir un titre plus tard, non? Pamel. C'est pas marrant. Comment je m'appelle? Putain, j'ai pas d'imagination alors que c'est moi le streamer, frère. One Punch Crab. Oui, bon, c'est un peu ringard. Big Cram. Je sais pas si on peut choisir les statistiques. Un jour, vous serez meilleur que moi. Vous êtes doté d'un potentiel illimité. Prenez soin de vos amulettes, allumettes. Bah abuse, frère, je m'attends à dire, wesh. Votre mère vous appelle. Ne la faites pas attendre. Non, il pleut. Oh, le scénario, il m'a... Je sais que tu refuseras de m'écouter. La mort est ton dernier choix. Bah. Papa. Ne pleure pas, mon fils. Tu dois être fort, plus fort que moi. Promets-moi de t'entraîner dur. Et lorsque le moment viendra, tu devras être prêt. Et il est mort. Piston, tu es tout seul maintenant, tout comme moi. Mon père a toujours été là pour me filer un coup de main quand j'en avais besoin. Aujourd'hui, c'est mon tour. Je vais m'occuper de toi, ok? Oh. Ok. Jeu de l'année. Allô? Encore en train de penser. Allez, bouge-toi le cul. Trouve-toi donc un boulot. C'est moi qui parle ou c'est le mec qui me parle? Ah non, c'est moi. T'as raison, Franck. J'ai pas envie. Ne compte plus sur moi pour te filer le moindre cent. Trouve-toi un travail. On verra plus tard pour le boulot. Je dois faire un peu d'exercice et avaler le petit-déj. Les gars, voilà. Voilà, je le jure. Le jeu a l'air incroyable. Je le jure. Ça me fait penser aux anciens jeux sur mobile. Je vais aller m'entraîner là, team. On va faire de Big Cram une légende de la boxe. Allez, on commence par quelques push-ups. Big Cram. One. Il faut faire quoi là? Ah ok, ça augmente. Endurance, force, ça augmente mon niveau. Ok. Faut que j'aille manger maintenant, faut que j'aille régène. Wesh, il a fait 3 pompes. Des grands pecs et tout pour faire 3 pompes. Il doit bien rester quelque chose à manger. Oh, ça a l'air incroyable. C'est le jeu du siècle, les gars. Soda, sucré et rafraîchissant, mais pas très diététique. Ça augmente ça, c'est ça qu'il me faut. Là, ça sert à rien de prendre ça. On va juste manger un soda. Ah, c'est juste ça, 9. Ah non, c'est la fin, ça, ok. Petite canette. Cam en haut à droite, s'il te plaît. Bah, ça cache rien, en fait, donc non. Pas terrible comme boulot, mais j'ai pas vu. Voilà, j'ai pas vu à cause de vous. J'avais trouvé un taf. Ok, je vais au taf, déplacement. À pied. En bus, ça coûte 6$, j'ai 35$. On y va à pied, ça nous fera de l'exercice. Je veux tes vêtements, tes bottes et ta moto. Mais je suis à pied, idiot. Ouais. Essaye de m'attraper, fuir, pas question. Pas de problème, prenez aussi mes chaussettes. C'est lui qui a volé les chaussures de Skyheart. Combattre. Merde, je commence déjà un combat.
Oh, l'épingle! Vous devez maintenant choisir les compétences que votre personnage cherchera à utiliser au cours du round. Remplissez les slots vides. Ok. On va commencer par esquive puis attaque. Classique. Frappe de batteur très puissant, coup de poing haut. Ça sert à rien de défendre avec le bras, très berserker. Attends, mais ils ont des trucs de ouf, moi j'ai que de la bouse. La tactique par défaut sans force ni faiblesse particulière. Je vais me faire allumer frère, il va one shot. Fuir? On sait jamais, on sait jamais. Ok. Esquive, ok. Ok. Ok, combo. Waouh. Donc il me met 26, je lui mets un de dégâts. En gros, il faudrait fuir là, poteau. Y'a moyen, si j'esquive tout. Aïe, il me met 31 en un coup. Je suis mort, fin du jeu. Qu'est-ce qu'on s'est amusé sur ce jeu. Vous avez perdu moins 12 PV. Je devrais m'entraîner plus sérieusement. Premier combat. Ouais, ok. Déjà une défaite, mais bon, ça compte pas dans le record. Je t'ai vu te battre, c'était plutôt impressionnant. T'as du cran, gamin. J'ai toujours eu un bon crochet du droit. On me surnommait jambes agiles au lycée. J'ai peut-être pas l'air costaud, mais je suis rapide. Ouais, t'es pas très solide, mais t'es un rapide. En gros, c'est ce que je viens de dire, le vieux. Nouveau trait, maigrichon. Ouah, wow, c'est la première fois. Let's go. Vous êtes sûr? La moindre brise vous balaye comme un fétu de paille. Vous ne serez jamais fort, mais vous êtes vraiment agile. Les coups adverses vous infligent plus de dégâts, mais vous les esquivez plus souvent. Retape-toi un peu, puis passe me voir à mon bureau, il faudrait qu'on discute. Oh, le vieux manager. C'est Mick. Comme dans Mick, c'est le nom de l'entraîneur de Rocky, non? Mickey, ouais, Mickey. Oh, et ça serait chouette si tu pouvais passer voir Apu dans son magasin. Dis-lui que j'attends toujours ma livraison de viande. Vous devez vous rendre à la boutique d'Apu. Et je devais pas travailler à la base. On y va à pied. Vous avez rencontré Mick, il s'y connaît en combat. Vous sentez quelque chose se passe entre vous. Ouah, le t-shirt. Ouais, Mick, ouais, il y en a des... Wesh. Comme je te l'ai dit, je crois que tu as du potentiel, je pourrais te faire de toi un champion. S'il te plaît, entraîne-moi, s'il te plaît, Mick. Coach Mick, s'il te plaît, entraîne-moi. Il me casse la gueule, mon père, il est mort, il n'y a personne qui peut m'aider. Montre-moi de quoi tu es capable, je t'entraînerai, ok. Passe au gymnase Silver, tu pourras t'entraîner là-bas si tu en as marre de faire ça chez toi. Ok, je peux aller au gymnase. Je peux aller au gym. Si tu es vraiment dans la dèche, viens me voir, je te filerai de quoi manger. Merci Vic, c'est tout pour moi, merci Vic. Merci Luc. J'ai faim. Mais frère, je suis en dèche là. Comment on fait pour sortir? Il y en a des trophées hein. Carte de la ville. Je vais aller au gymnase, mais je dois... En vrai, pour l'instant, j'ai pas besoin d'argent. Là, je dois aller récupérer la viande. On y va à Yep. Vous avez rencontré Apu, il tient une épicerie. Est-ce que ça lui arrive de dormir? Salut Apu. Parler de la livraison pour Mick. Enlève le filtre rétro, s'il te plaît. Ben, je trouve que c'est bien, moi, non? Oh, ok, je vais m'en occuper. Ok, les gars, on est que au début. Il y aura peut-être les TTS plus tard, mais pas encore. Viande, 20$, 10 de santé, 1 d'apiness et 40 de faim. Pizza surgelée, 10 de santé, 1 d'apiness et 40 de faim, mais ça coûte 9$. Mais ça donne 17 de nourriture. Et j'en ai déjà 2 là-bas. Non, je peux pas, je garde mon oseille pour l'instant. On retourne à la maison. On retourne à la maison, on graille et on va à la gym.
Putain, la viande, c'est broken, les gars. No joke, c'est broken. On va à la gym, à pied. Salut, Mick. M'a dit que je pourrais m'entraîner dans votre gymnase. Big Mick, je croyais qu'il en avait fini avec le monde de la boxe. Moi, c'est Silver, tu peux essayer de t'entraîner ici pour l'instant. Vous avez rencontré Silver, il a l'air assez arrogant. Espérons qu'il sera en mesure de vous enseigner quelque chose d'utile. Mick a dit de parler de notre ligue amateur. Si tu as envie de participer, tu es le bienvenu. Atteignez la 5e place dans la ligue. Ok. On dirait que tu sais te battre, ça te dirait un petit entraînement avec moi? Vas-y. J'avais pas le truc maigrichon. Je me fais rafaler, frère. C'est un entraînement, c'est un sparring. Ok, on gagne. On gagne pour l'instant. C'est que d'esquiver, frère. J'ai pas pris un coup, hein. Il est bientôt KO, hein. Celui-là, on va esquiver et bloquer, c'est tout. C'est pas grave, les gars. Et là, on envoie que la patate. Ah merde, je suis obligé de mettre un autre truc. Aïe. Oui. Oui. J'ai gagné ça. Au point, j'ai gagné. J'envoie que des pêches depuis tout à l'heure. Allez, siffle la fin du round, s'il te plaît. Allez, Bikram. C'est le 3e round. Lose. J'ai gagné au point, bande de menteurs. C'est pas grave, c'était un entraînement, c'était un entraînement. Pas loin, pas mal, mais tu es loin. Bah ouais, j'étais pas en forme aussi, c'est vrai. Je vais t'accorder une ristourne. Vous atteindrez le niveau 5 dans l'une de vos statistiques fastoche. Vous avez possibilité de vous inscrire pour un match de ligue. Okay. Mais frère, ça sert à rien, je vais me faire gonfler, frère. C'est pour m'entraîner, c'est tout. $15. Vas-y, je m'entraîne au pao. Ok. J'espère que ça va me donner des points au moins. Win. Récompense 5 et 2. C'est quoi 2 ça? Vous avez suffisamment de points de compétences pour déverrouiller une nouvelle compétence. Ok, ça va. J'ai pas payé pour rien. Tacticien, blocage. Oh, je peux débloquer le coup de pied. Et tacticien, de toute façon, j'ai rien d'autre à débloquer en fait. Ah, et maintenant le coup de pied coûte 2. Je me suis bien fait baisser. Revends, frère. Mais pourquoi c'est. Non, mais c'est pas juste coup de pied bas. Ok, c'est parce que je voulais prendre celui-là en fait. Ok, au calme. Position actuelle 12, s'inscrire. C'est le dernier jour. Mais je vais perdre. Prochain combat dans 2 jours. Il faut absolument que je m'entraîne. Mais on veut pas s'entraîner dans la gym ici. Il y a que faut payer quoi en fait. J'ai $20 encore. Dix sa mère, on y va. Ah merde. Bah je peux rien faire, hein. Je peux m'entraîner que chez moi. Hein. Payez les droits d'entrée, $10. Allez, on paye. Ok, let's go. Ça, c'est de la salle. Va t'entraîner à ça, garçon. Faut que j'achète de la graille. Attends, c'est $10 à vie, hein. Jab, jab. Jab, jab. Jab, 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 jab. Jab, jab. Jab, jab. Jab, jab. Crochet, crochet. Moi je suis en train de level up de zinzin. Agilité, endurance, force. Alors que je travaille ma force aussi. Je fais pas assez de dégâts ça. Là ça travaille un peu tout. Je suis fatigué là. C'est bon, je suis plus fatigué, on continue. Ah merde. Un peu de développe.
On augmente un peu la force, là, team. Elle passe niveau 2, j'arrête. Ok, un peu de... Développe son support en légende, frère. Ok, bang, 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 bang. On augmente la... C'est du fast jabbing. Ok, c'est bon. Stop, stop, stop. Niveau 2. Il a faim, le poteau. Il a faim, il a faim. 9% de faim. On finit sur un peu de cardio. Vas-y, commence à courir, Zabi. Ah, c'est mort. On va acheter un truc à gras ici. Je vais me faire allumer la gueule, non? J'ai rien de quoi acheter à manger ici. Carte de la ville. On va travailler, non? Ah, il faut que j'achète à graille. Non, j'ai une pizza à la maison. Fin du jour. Combat à venir, Ligue Amateur. Prochain combat, demain. Comment ça, perdu 18 et gagné 96? Comment ça, je perds des stats? Alors que je bosse, hein. On fait des petites pompes. Après, je pense que c'est pas rentable les pompes, mais ça coûte pas grand chose. Mais pourquoi j'ai perdu du niveau? Je passe juste niveau 2 et j'arrête. Ok, c'est bon. Faut taffer là. Vous pensez que je dois aller au taf? Carte de la ville, travail. En bus, on y va en bus. Histoire de pas perdre trop de temps. Ça va, ça paye 50 balles. Ça paye 50 balles, les gars, c'est rentable. Mange d'abord, j'ai déjà mangé. Trop fatigué, vous ne pouvez plus, car vous êtes trop fatigué, vous avez trop faim. FF, frère, c'est FF. Faut que Mick m'aide, j'ai plus d'oseille. Voilà, j'ai plus d'oseille, j'ai mon verre de faim. Il a dit qu'il allait m'aider si j'avais pas de graille. Merci Mick. Mick, il m'a sauvé la vie. Hop, on retourne au travail. Comme ça, j'aurai plus jamais besoin de gratter Mick. C'est quoi? Vas-y, rebosse, rebosse. Termine-moi ça. Fin du jour 2. Quoi? J'ai perdu des stats. Trop fatigué. Je voulais faire 100 balles, wesh. Et elle est où ma bouffe? Oh merde. Ça va dans mon frigo? Je peux juste dormir. Non, 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 je veux cheat en fait. Je prends une Red Bull et c'est bon, ça repart. C'est tout? On va dormir, frère, hein. En haut à droite, il y a l'horloge. Ouais, ouais, ça va. On est au tout début de la journée, là. Le problème, c'est qu'après, je dois acheter à manger, en fait. C'est pas grave, repose-toi. C'est bon, il a faim. Carte de la ville. Là, je vais me payer un steak chez Apu. Le problème, c'est que je peux pas le manger sur place, frère. Faut que je fasse mon combat, les gars. Faut que je fasse mon combat, donc on va y aller, on va y aller. On va motiver l'équipe. Ok. Jour 3. Je vais juste faire des pompes avant mon combat, comme ça j'ai l'air musclé. J'ai l'air musclé à la télé. Vas-y, s'il te plaît, accélère, frère. Je prends juste le niveau 2 en légende, hop. C'est bon, et là, combattre. Ok, on est contre Songmo. Il a 60 aux HP, j'en ai 92, je suis passé niveau 2. Et ça, il pouvait pas le savoir. C'est mon premier combat professionnel, les gars, je dois pas perdre. Je dois pas perdre.
Il tape, il bloque. On va faire la même stratégie. Je suis censé être meilleur. OMG. Allez. Allez, crame. Ok, on gagne, on gagne. Continue. On gagne. Fin du round 1. Bravo. Je vais enlever ça, je vais mettre esquive. Allez. Il revient. On a encore beaucoup de stamina. Hein. Il a beaucoup claqué. Oh, je suis en train de l'enchaîner, sa grand-mère. Faut que je mette x1, ça va trop vite. Troisième round. Allez, vas-y, enchaîne. Ok, l'esquive. Oui, le combo. Il est KO. This up is too fast. I'm watching for glory. 25 HP. Allez, continue. T'arrêtes pas. Esquive, tape. Ok, tape. Vas-y, tape, frère. Il a plus de stamina. Tape, voilà le combo. Of the tiger. C'est une victoire, les gars. 3 HP. Allez, une dernière. Une, pas deux. Putain, on arrive au round d'après. Points de compétence, 60 de bonheur et on augmente dans la ligue. Je l'ai allumé. Eh ouais, Mick, je savais que j'allais te rendre heureux. Arbre de compétence, coup de poing haut, coup de pied haut. Passer des attaques compétences actives, uppercut. Compétence de base et après on doit choisir voix du tigre, voix de la tortue ou voix de l'ours. Un coup de pied débilitant qui inflige des dégâts raisonnables et réduit l'endurance et l'agilité de l'adversaire. Coup de poing haut, lui, plus puissant qu'un simple coup de poing mais qui consomme plus d'énergie. C'est Eye of the Tiger. Plus puissant qu'un simple coup de pied mais qui consomme plus d'énergie. Donc il faut un de force, il y a un ratio force en plus d'AD de base. Le coup de pied a l'air broken, hein, le low kick, quoi. Voilà. Ça enlève l'endurance et l'agilité. On va débloquer le coup de pied bas. Ok. Et maintenant, augmente vos chances de passer une phase d'attaque afin de récupérer de l'énergie. Le problème, c'est que ce coup de pied bas, il me baise en fait. Je peux plus rien chercher après. Ok, bon, on verra plus tard. Mais bon, il faut voir quand même. Hein. Position actuelle, 11ème. S'inscrire, ça commence dans 3 jours. J'ai 3 jours de préparation. Me dis pas qu'elle va me faire payer le gym quand même. Putain. Je vais bosser, frère. Non, mais j'aurai pas assez. Je dois manger avant. J'ai la flemme. C'est tout ce que j'ai. Tu te fous de ma gueule, donne-moi le reste. Oh. Mais je vais t'allumer la gueule, toi. Qu'est-ce que tu regardes, toi? Hein, je crois qu'on peut prendre... J'étais juste passé à acheter un soda, je repasserai plus tard. J'étais en train de me demander si t'aurais l'air moins con si je te faisais les tout sauter, toutes les dents devant. Ok, c'est l'heure du bottage de cul. 95 HP, 83 HP. Après, je sors d'un combat de boxe, il y a moyen, il m'allume. Mais les amis, c'est l'heure de tester ça. Coup de pied, low kick patate. Low kick patate, super réactif, augmente vos chances de réussir à esquiver une attaque adverse légère, mais augmente la consommation d'énergie. No joke, c'est pas mal comme jeu en vrai. Allez, on y va, allume-lui sa mère. Il va tout esquiver ce bâtard. Ok, low kick, on lui enlève son énergie. Hein. Vas-y, allez, réveille-toi frère. C'est un combat de longue haleine. Il esquive tous, fils de pute. Ok,
Ok. Les low kicks font du bien. Ok, c'est pas grave. Bon, on s'est fait laver, on s'est fait laver. On va changer de technique. Je vais mettre low kick plus... plus esquive. Je vais lui enlever full stamina sur Runsi. On joue la stratégie. Ok, ça se passe bien pour l'instant. Oh, m'a mis une pêche à 4. Ok, les bons low kicks. Les bons dégâts. Je suis tellement bien en énergie. Oh là 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 là, les low kicks. Je suis Jean-Claude Van Damme. Ça sent le roussi. Non, 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 elle est bien la stratégie là. On continue un round comme ça. Apu, je vais te sauver. Wesh, Apu, le combat, ça fait 4 heures, il dure quand même. Il en peut plus. Ok, 3 de dégâts, 3 de dégâts. Encore, oh là là, le combo. Oh le combo. Oh le combo. Il a moins d'agilité en face. Je suis en train de le nerf. Ça, je change pas de stratégie. Ça se passe bien comme ça. T'as osé me frapper? J'ai full régène ma stamina. Fils de pute, arrête d'esquiver, frère. Esquive, ok. Ok, 30 contre 35. Allez, le crame! Et nous sommes déjà au 14e round de ce combat sanguinaire. Ce combat a le temps pour sauver Apu. Ça fait déjà 2 jours que ça dure. Et si on testait... Non, on va rester comme ça, je pense. Voilà le combo. Aïe. Voilà le combo, voilà. Ok, je suis en train d'allumer sa mère, là. C'est fini. C'est gagné. Aïe. Ouh là là, c'est bizarre. Il m'a mis une patate à 4. Ok, JHP. Ok. Je viens de faire un combat, en plus, hein, IRL. Hein. Plus qu'un HP. On lui a allumé sa mère, triple low kick. Prends de ma santé, elle baisse. Et j'espère qu'Apu, il va me récompenser. Hein. Prévention d'un crime. Vous avez prévenu un crime pour la première fois. Vous pouvez être fier de vous. Ouais, mais il faut me donner quelque chose, Apu. Oh, merci, vous êtes un puissant guerrier. Ouais, c'est moi. Vous regardez vous battre, m'a rappelé un vieil ami à moi. C'était un grand maître de son art. OMG. Mais aujourd'hui, il aurait bien besoin d'aide avec son restaurant. Passez à la pizzeria du coin et demandez à Casey s'il n'aurait pas un travail pour vous. Je pourrais passer voir votre ami. On travaille dans une pizzeria. Égal, on mange toutes les croûtes que les gens mangent pas. Incroyable. C'est vrai que son ami s'appelle Kakor. OMG. Non, attends, on va d'abord aller à la dalle. En plus, c'est juste à côté de la maison. C'est exceptionnel. Oui, bon, attends, qui m'appelle? Ah, maintenant ça m'appelle, maintenant que je gagne des combats, hein. Ça suce, hein. Allô. Eh, j'ai vu que tu t'es enfin mis au combat, c'est génial, c'est Mick. Je t'ai laissé mon vieux guide du combat sur la table, il pourrait être utile. Merci, Franck. C'est qui, Franck? Comment bien s'entraîner? N'essayez pas d'atteindre un niveau élevé dans les 3 statistiques. Choisissez une voie, essayez de sculpter vos corps en... Non, mais ça, c'est moi qui décide, frère. Force, augmente les dégâts infligés par vos coups, augmente également la consommation d'énergie au cours du combat. Agilité, augmente la précision et les chances d'éviter les attaques adverses. Endurance, augmente la régénération d'énergie au cours d'un combat, augmente également la capacité d'absorption des dégâts. Vous perdrez des points de statistiques tous les jours. Tous les conserver à un niveau élevé en permanence est difficile et coûteux. Essayez d'être au mieux de votre forme le jour du combat. La force. Une grande force permet d'infliger plus de dégâts mais vous consommez plus d'énergie à chaque coup. N'oubliez pas d'augmenter grandement votre endurance pour régénérer votre énergie. Choisissez des compétences affligeant des gros dégâts qui ne nécessitent pas d'être particulièrement agiles. Les coups de pied, les esquives et les compétences basées sur l'agilité ne sont pas très efficaces. Les gars, je vais full booster, full agi. L'art martial qui vous convient le mieux, la voix de l'ours. Ouais, voilà, les mains nudir, tout ça, on s'en bat les couilles. L'agilité. Si vous êtes suffisamment agile, vous pouvez utiliser des coups de pied difficiles et esquiver les coups de vos adversaires. Esquivez les attaques adverses, essayez de contre-attaquer et d'utiliser des compétences avec des dégâts de base élevés. Ne vous concentrez pas sur les coups nécessitant de la force ni sur l'absorption de dégâts. L'art martial qui vous convient mieux, la voix du tigre. L'endurance, on lit pas. Comme vous pouvez le constater, les compétences sont importantes. Essayez toujours d'apprendre de nouvelles compétences, demandez à votre entraîneur de vous montrer des nouveaux mouvements et cherchez toujours à choisir la meilleure stratégie. Compétence apprise, stat.
C'est pas de faire monter vos statistiques juste parce que vous aimez les gros chiffres. Ne vous renforcez que lorsque c'est vraiment nécessaire. Enfin, oui, en gros, jouez bien, quoi. Merci. Merci, Shayan. Usu. On mange ça. Un bon gros steak et on style. Ah, mais c'est la fin, là. Il faut aller dormir, non? Je vais aller à la pizza Casey. Une pizzeria Kakorp, vous y allez les gars ou pas? Salut mec. Salut Apu du magasin, m'a dit que vous avez besoin de quelqu'un. Ah c'est toi, moi c'est Casey. Apu m'a tout raconté sur tes exploits. J'aurais besoin de quelqu'un pour livrer mes pizzas. Mais c'est mon job de rêve. Vous avez rencontré Casey, il a été marin autrefois, il peut vous proposer du travail, il a quand même l'air un peu dangereux. Ça me va. Ça coûte combien la pizza? 14$. Bon, faudrait que je bosse un peu, hein. Livrer des pizzas. Ah, fin du jour. Ah, on commence à perdre beaucoup, ça. Hein. Ça livre fort. Ça coûte moins d'énergie que l'autre qui rapporte 50 balles. De toute façon, c'est plus proche. On monte à 90$, on arrête. Merci. Voilà, on a taffé. On va dormir. Chantier, ça te donne de la force. Ouais, mais je veux booster full agi, moi. Donc la force, c'est la dernière stat à bosser. Ça y est, wesh, le repos, frère. Faut qu'il se réveille, là. Je pense que le meilleur rapport qualité-prix, c'est la viande, hein. De la ville. Mange, frère. Non mais Mikey, il va pas me donner d'argent. Il va pas me donner de la graille si j'ai de quoi manger en fait. Deux steaks, 50$, on peut économiser un peu. On peut économiser un peu et là on va au gym. Entraînement intensif. Le problème c'est que lui il va me faire payer cher le pao. Je peux pas reprendre un truc pao, frère. On paye les droits ici. Là, c'est pour la force. Ça va augmenter full l'agilité, hein. Oui, bah, essaye d'accélérer un peu, frère. On doit bosser, là. On va bombarder l'agilité, frère. Je vais mettre que des coups de pied. La voix du tigre. Ouah, ouah, ouah. Ah, ça fait pas ce bruit, un tigre, je pense. Bande de fils de pute, voilà. Ils m'ont baisé tous mes points, frère. C'est jour de match aujourd'hui, hein. Je vais monter niveau 4 en agilité, frère. Il est fatigué un peu. T'inquiète, jusqu'à la dernière minute de la journée. Faut que j'augmente l'endurance en plus, ça. Ça va augmenter l'endurance, non? Ouais, endurance. Endurance, agilité. C'est le meilleur exercice, frère. Bleu, c'est pas agi, MDR. Ah bon? C'est quoi alors? Hein? Hein, le bouffon? Hein, le bouffe? C'est quoi donc là, si c'est pas l'agilité, tu lis quoi là? Hein? Vert c'est endurance, bleu c'est agilité et rouge c'est force. Niveau 4 en agi avant le combat, on y pense hein. Avec niveau 2 en endurance, il y a quelque chose, il y a Haja. Je pense que c'est impossible niveau 4. Ça il voudra pas faire, non. C'est pas grave, niveau 3 c'est déjà bien.
Carte de la ville. On va aller graille un peu. La graillance. On va aller se taper des pizzas, je pense, avant le match. Attends, ça donne 4 de happiness et 20. Ok. Qu'est-ce qui est bien, c'est qu'on peut la manger ici en fait directement. Parfait. Parfait. Après, j'ai pas récupéré d'endurance. J'ai plus un euro. Mais c'est la vie, hein. Combattre. Ok. On est contre Exor la Macho. Mais attends, mais ça servait à quoi le truc Twitch que j'ai mis? Je pensais que j'allais me battre contre des viewers. Il est à 8 d'endurance. 2,6 de blocage. Pas beaucoup de précision. Les bêtes, mes flops. Au milieu, il y avait marqué bets, current bets. Starting the fight will stop bets. Et faut faire quoi? On voit pas les stats. Ah, excuse-nous, frère. De toute façon, je vais le dérailler, frère. C'est simple. Moi, je lui enlève tout son énergie. Je fais pas beaucoup de dégâts. C'est basé sur le vol d'énergie, ma compo. Vas-y, on va augmenter au début. En vrai, c'est even, là. Hein. C'est risqué, même. Ah, je comprends pas, j'ai augmenté full l'agilité, je devrais gagner là. Et Harry, il a pas le droit de se battre avec un gros jean. Je peux lui faire dégâts, moi je suis pas basé sur les dégâts. Comment c'est serré sa grand-mère. Je vais mettre x1. Ah, c'est plus serré là parce qu'il vient de me casser la gueule tout simplement. Après, il a moins d'énergie, hein. Je continue de gagner à l'énergie. Hein. Round 10, on verra qui sera qui. Allez, vas-y, stop, les tape-le quand même. Allez, tape-le, frère! Il faut arrêter d'esquiver, monsieur. Ok, c'est parfait. Oh là là, toutes les esquives. Il est en train de se fumer en énergie en face. Bah, pareil. Ok. Il faut taper, wesh! Ok, bon, ça pue la merde. Ok, voilà, enchaîne. Enchaîne là. Enchaîne. Enchaîne, frère. Oui. Nice esquive, nice esquive, nice esquive. Nice esquive, ouais, encore. Tiens, il bloque ce bâtard, ok, encore. C'est bien, oh putain, il m'a mis un coup à 4. No joke, sans le coup à 4, c'est bien. Bah, sans le coup à 3, sans le coup à 5 aussi, c'est bien. On peut être des combos nous aussi, non? 57 d'énergie. Il commence à dormir, les gars. Il commence à s'endormir. Faudrait peut-être gagner maintenant. Voilà, 1. C'est déjà un dégât. Ok, encore. Ouais, combo, ouais. 45 HP, on revient, on revient. 13 HP nous séparent. Allez. Il a plus d'énergie, il n'a plus d'énergie. Il faut pas mourir avant. Continue, allez. Ouais. Ouais, ouais. Il ne peut plus esquiver. La stratégie marche. Il peut plus esquiver, vas-y, vas-y, t'inquiète. Il est KO, il est KO. 9 HP d'écart. 18 HP. Ok, les gars. Ah, il a récupéré 37 d'endurance, on a perdu. Fave, 18 HP, ok. Combo, combo. Il utilise rien depuis tout à l'heure, ça me dégoûte. Il fait que de bloquer. Ok, aïe. Ok, 1. Allez, plus que 1, s'il te plaît. Genre 3, 4. S'il te plaît, il faut taper. Il a plus d'énergie en fait là en face. On a la même énergie sauf que j'ai 10 HP. Je vais mettre les patates. Ok, il a perdu beaucoup d'énergie. Mais il va me tuer là si on fait rien. Allez, 4 HP. En fait, c'est les mêmes dégâts en fait.
Allez, ça peut peut-être faire la différence. 2 HP, encore un coup et je suis mort. Bon bah. Bah, j'aimerais bien savoir ce qu'il broie ce Exor là, macho. J'aimerais bien voir ce qu'il boit dans son verre. Ok, il me faut ça. Ça, ça a beaucoup de dégâts de base. On va prendre ça à coup de pied haut. Et on va aller chercher équilibriste. Équilibriste, c'est très fort. Bah on est dans la merde en fait, hein. Vif. Les tactiques basées sur l'agilité. Une tactique basée. Une chance d'esquiver. Ok. Faut que je débloque ça en fait. Oh la dinguerie. La voix du del tigre. La frappe du cobra. Oh. Une frappe empoisonnée qui draine la santé de l'adversaire jusqu'à la fin du combat. Le cobra et le tigre en même temps, c'est moi. S'inscrire dans 2 jours. Il y a le temps avant de s'inscrire. On va parler à Silver, mais je pense qu'il peut rien m'entraîner en fait. Ce fils de pute, il demande trop cher. 15$, je peux pas. Et si j'allais gratter de la nourriture à un Mick? Il veut rien m'apprendre, ce fils de pute de Mick. Il est vieux, wesh, je dois connaître des combats. Des techniques, un truc, wesh. Il m'a pas l'air d'être affamé. Ok. Ça va, j'ai compris, hein. On y va en bus, ça paye 50$, frère. Ah, mais j'avais bientôt fini en plus. Ok, on arrête. Énergie 43%. Faudrait retourner à la maison. En bus, je perds pas de temps. Ah, on a un chat maintenant. Oui, oui, je sais que tu veux manger. Moi aussi, j'ai faim. Intéressante mallette, je me demande ce qu'elle fait là. Oh, enfin un peu d'aide, frère. Ça commence à être rude, là. Personne veut m'aider, j'ai pas d'oseille. J'espère qu'il y a 50 000$ dans la mallette. Quel étrange appareil, on dirait une télé. Alors non, on dirait pas une télé, mais... Je vais essayer de comprendre comment ça marche. Et il se passe quoi, là? Faudrait que je dorme. Mais on va taper des pompes un peu avant. Je peux pas acheter des trucs chez moi en fait. On aurait vraiment dû un missile Predator. Ça augmente tous les pompes. Bonne journée. C'est le dernier jour pour s'inscrire. Vas-y, bombarde sur les pompes, c'est bien. C'est bien, mais no joke, les pompes, c'est pas ça qui va me sauver, les gars. C'est les points de compétence, c'est pas les stats qui changent le jeu. Mais après, si je passe à 2 de force, c'est déjà bien. S'il te plaît, passe à 4 d'agilité, fils de pute. Ok, ça va. Vu que je m'inscris le dernier jour, j'ai encore 2 jours de préparation. J'ai encore 2 jours de prépa physique. Aujourd'hui, je peux full dormir. C'est que là ils vont baisser ma force et tout de baiser, frère. Ah mais j'ai trop faim. Ok, bah c'est parfait. J'allais me réveiller de toute façon. Je pense que le bus est broken.
Ah, il faut y aller quoi. Le jeu a bugué. Oh non, me dites pas ça. Me dites pas ça, le jeu a bugué. Ah non, je suis à fond dedans en plus. Je vais prendre le bus. Ça a pris mon argent. Sauvegarder et quitter. Jouer. J'ai acheté du coup. Bah ouais, mais j'ai perdu de l'argent. Fuck this shit! J'ai perdu de l'argent! Et du temps en plus. C'est qui encore, bordel? J'ai perdu de l'argent. Allô? Eh hey, gamin, j'espère que tu n'essayes pas d'être le meilleur en tout. Il vaut mieux se concentrer sur. Ouais, bah j'ai compris, frère. Ça, ils vont pas me le dire. En vrai, le jeu est bien équilibré, en vrai, hein. T'inquiète, j'ai tout pigé, mais frère, là, il me faut des points de compétence, surtout. Les points de compétence vont solo win ma vie. Merci, MQNou. Le truc, c'est que j'ai pas envie de trop gratter Mic aussi. Je pourrais me mettre bien avec l'oseille, mais... Lui, il veut pas m'apprendre des techniques, ce bâtard. Je travaille pour lui, ça fait longtemps quand même. Putain, j'ai des mottes en force. Interrogé sur la spécialité. Vas-y, je fais deux livraisons, je l'interroge sur sa spécialité. Le problème, c'est que là, il va falloir que j'achète des canettes, là. J'ai bourré d'épices indiennes spéciales. Pour mes clients réguliers, j'ai fait même des pizzas extra épicées. Tu veux y goûter? Ok, oui, frère. Et voilà, goûte-moi ça. Spicy pizza. Au fait, j'ai une livraison spéciale en attente. Je m'en occupe. Ok, je le fais. Wesh! J'ai une pizza en livraison. Mais non! Les tortues ninjas! On a un accord, Casey pose la pizza et dégage. Ouais, c'est des alligators. Alors donc, essaye de me la prendre. Vaincre Bill. Mais frère, s'il te plaît, il a 140 CHP. Il va me niquer ma vie, frère. Il va me niquer ma vie. J'ai rien demandé, moi. J'ai un combat après, il va me ruiner ma santé. Vas-y, x4, dans tous les cas, je vais me faire gommer. En vrai, j'ai tenu un round, hein. Attends, il y a un moyen, il y a un monde, là. Je suis en train de le gommer, en fait. XP égal, je l'allume sa mère, hein. Je veux juste que ça aille vite là, je sais que j'ai perdu dans tous les cas. Oh, il m'a tué, frère. Je me vengerai plus tard. C'était bizarre. Et il me paye pas pour la livraison spéciale. Il n'y a pas des pizzas énergisantes? Non. Ok, je sais ce que je vais faire. Je vais aller me péter le bide à la Red Bull avant mon combat. Histoire de regagner de l'énergie un peu. À la Red Bull, pardon, c'est sa boisson énergisante. 14$, 14$, 14$. Hop. Je suis obligé, je suis obligé. Je peux pas me permettre de dormir, c'est trop long. Peut-être que je dorme quand même. Ouais, je vais passer niveau 2 en force avant le combat. Putain, je suis baisé trop d'argent. Juste niveau 2 en force, pas niveau 4 en agilité.
Stop, stop, stop. Ça va. Là, je vais faire une sieste jusqu'à la dernière seconde. Oh mon dieu, ce truc fait n'importe quoi. Je vais essayer de l'arrêter. On parle du chat ou de la mallette? Ah bon, que s'est-il passé ici? Wesh, il s'est passé quoi? Oh, miskin Apu. Je me suis fait braquer par des bandits qui portaient des masques d'animaux. Waouh, ça craint. Désolé de pas avoir été là pour te protéger votre magasin. C'est pas les mecs dans le sous-sol? Ils ont volé toute la nourriture pour chats et ils ont laissé... Waouh, c'est des chats? Il a dit je vais t'aider à nettoyer. Oublie frère, il nous a jamais rien donné à Graille, wesh. Frère, on a combat tout à l'heure, faut que j'aille dormir un peu avant le combat. Oh putain, ça va être bizarre. Ça c'est bien, on tape une boisson énergisante et on style. On a full stamina, 2, 3, 2. Hop, ça redonne un peu de bouffe en plus. Et là, on peut y aller. C'est demain. Je suis le roi des gags. Le plus grand des idiots, c'est moi. On va bosser, hein, du coup. Là, ils vont me baiser. Ah, putain. Ils vont baiser mes stats, du coup. Du coup, je vais bosser toute la... Ouais, bah ouais, bah ouais. En vrai, ça va, c'est ok. Je suis pas full perdu. Il me faut un meilleur taf que ça, hein. Ça paye pas assez, ça. C'est aujourd'hui, ok. Carte de la ville, on va aller graille en fait. Hop. C'est bon, ta grand-mère, toi, tout le temps, il me fait la même phrase. Laisse-moi acheter à manger. C'est dur. En vrai, c'est dur, hein. Va à la salle. Non, non, je suis obligé de dormir, frère. On va récupérer un maximum d'énergie. On se réveille. On mange. On va à la salle. On remange. Merci, Chronique. Ah, ça redonne zéro d'énergie. Je pense que c'est déjà bien. On va juste taper les deux steaks. Ensuite, on va taper des pompes. On passe niveau 2 en force. En vrai, on est bien. Juste niveau 2 en force, c'est tout. S'il te plaît, troll pas, donne le point en force, frère. Excellent. La gestion parfaite du combattant. La gestion parfaite du combattant, merci Medouda. Ok, combat, coup de pied, esquive. Je vais l'arracher. Attends, c'est celui qui m'a battu la dernière fois. Oh, je vais l'arracher, c'est terminé. Regarde les coups de pied que je lui mets, frère. Attends, je vais ralentir un peu le temps. Oh là là, 5 de dégâts, coup critique. Je garde que la même strat, j'ai rien à foutre des stratégies. 5, 4. Ah, esquive, bouffon. Tu mets que 3, vas-y tape encore. 5, oh là là. Une ouverture c'est moins 5, moins 5. Ah! C'est quoi ce combo? Je mets 5 minimum les dégâts de zinzin. Combo 7, waouh! Esquive, esquive. Terminé. Oh là là, moins 10. Quand tu es faible en énergie. Oh, je l'ai tué. Je l'ai tué. Je l'ai tué, frère. 4 points de compétence. Je vais pouvoir apprendre la stratégie du tigre. Voix du tigre. Ah merde. Ça veut dire que je dois d'abord apprendre équilibriste. Quoi? C'est équilibriste que je dois apprendre. Requis, il me faut 4 d'agilité. Ok.
En vrai, je suis bien en tout, hein. Je peux aller à la gym, hein. Je peux m'inscrire dans 2 jours. Je suis 10e dans la ligue. Le slot, j'ai pas besoin encore. Je paye les droits d'entrée. Hop là. On va apprendre la voix du tigre, frère. Non, non, mais le slot, ça sera pour plus tard. Les gars, là, si j'apprends la voix du tigre, en fait, je vais avoir une augmentation sur mes techniques d'agilité. Et c'est mon point fort. Il faut le dire, je suis quelqu'un de très agile. Les gars, c'est le jeu de l'année. Allez, 4 d'agi. Allez, 4 d'agi, c'est tout. On stack juste un petit peu, comme ça, ça part pas. Stop, the bee. Ça va, j'ai 2 jours encore. Ah non, dernier jour. Ok, merde. Et là, combat dans 2 jours. Ok, ça me va. Arbre de compétences. Là, maintenant, je peux prendre équilibriste. Ça veut dire que ça, mon agilité ne descendra jamais en dessous de 4. C'est excellent, frère. Et là, du coup, je peux apprendre voix du tigre. Vous devez débrouiller la spécialité correspondante dans la branche principale. Mais c'est quoi la spécialité? Il se fout de ma gueule ou quoi? Ok, j'ai compris. Est-ce qu'on travaille un peu la force? Juste pour passer à 2? Non, il y a le temps encore. J'ai 2 jours avant mon prochain combat. Je pense, est-ce qu'on ferait pas full thune là en balle? Est-ce qu'on ferait pas full thune? No joke, je vais faire que ça, frère. Je vais faire que de la thune aujourd'hui. Livrer des pizzas. Je fais que de la thune aujourd'hui, je fais que de la thune. Pas sur le chantier, ça fait de la force aussi. Non, justement, je m'en bats les couilles du chantier. Putain, il est trop loin de la maison, c'est horrible. Allez, boss. Non mais la force, ce n'est pas la stratégie, c'est pas la stat que je veux, les gars. Si vous voulez faire un combattant, prenez le jeu et choisissez la force, ok? Je suis un mec agile. Putain! Ça paye mieux aussi. Ouais, mais ça dure plus longtemps le taf. Ça dure plus longtemps, donc il y a du malheur dans ton bonheur. Full d'or. Full chill avant le combat. Il me restait des trucs au frigo ou pas? Sans force, t'as 0 dégâts aussi. Ouais, mais c'est pas le but. En fait, si l'adversaire ne me touche jamais, je vais en faire quoi de tes dégâts? Hein? Ça sert à quoi? Hein? Hein? S'il me touche jamais. Et en plus j'ai des compétences. J'ai des compétences. Hein? Tu m'écoutes, hein? Tu m'écoutes? J'ai des compétences qui ont énormément de dégâts de base. Hein? Hein que tu m'écoutes là maintenant? On va graille. On va... J'ai juste besoin de passer à 2 en force, c'est tout. C'est bon là, je gère parfaitement. Remplis le frigo. Ah c'est bon frère, là j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Je pouvais passer à 2 d'endurance aussi, ça serait bien, mais bon. Ok, bah voilà, c'est fait, hein. Il suffit juste de demander. Comment ça donner des points de force en les pompes là? Ok, allez stop, et on passe à 2. C'est tout ce que je demande dans le monde. Voilà, c'est bon, on est passé à 2 de force. On peut même se permettre d'aller redormir un tout petit peu. Mais genre vraiment. Le combat est demain. Mais je suis trop con. Je perds du temps, The Bee. Ouais, je vais faire du pao du coup. J'ai pas développé un nouveau coup là moi.
Win, GG. Deux points de compétence, ok. En vrai, re-entraînement au PAO, hein. Ah mais non, il va me dire non. Je vais aller bosser, il me restait un truc à finir. Il me restait pas beaucoup à finir. Il faut absolument que je fasse mon entraînement au PAO par jour. Alors niveau budget les gars, niveau budget, j'ai 40 de bouffe par jour. J'ai 15 de PAO par jour. Oui, les affaires marchent bien. Ok, on peut avancer. Un jour, j'arriverai peut-être à mettre assez de côté pour aller m'installer à Chypre. Ça te dit d'essayer ma super épicée, c'est cadeau. Ouais, ça me dit bien. Et voilà, goûte-moi ça. Au fait, j'ai une livraison spéciale en attente. Ok, on y va. Le problème, c'est qu'il est toujours trop fort, lui, pour moi, en fait. Après, maintenant, j'ai un nouveau coup de pied, hein. Ça peut le faire, les gars. Voilà, moins 1. Moins 3, ok. Ok, on grind, ouais. Ouais. Moins 3, je suis en train de lui baiser sa grand-mère. On peut le dire. Waouh, j'ai pris un coup à 7. J'ai jamais mis de 7 dans ma vie. Ok, moins 3. Je suis en train de gagner. Hein. Je suis en train de gagner, je suis en train de gagner. Je pense qu'on a la meilleure stratégie. Je lui baisse sa grand-mère. Je peux me permettre la pute. Non, je retire. Il a plus d'énergie, mais je suis en train de l'allumer, frère. Bah, abuse, frère. Il m'a mis un combo à 20. Et voilà. Et voilà. On croit que le combat est gagné. Il a plus d'endurance, hein. Il ne peut plus frapper. Il ne peut plus rien faire. Je l'ai tué. Je l'ai tué. Je suis en train de le tuer. Oh, putain. Y'a pas de rêve pour les gens comme nous. Y'a pas de rêve pour les gens comme nous. Y'a pas de rêve, on n'a pas le droit de rêver à moins que... Il va me mettre un coup à 28, ce bâtard. Ok. Allez, crame. Oui. Oui. On est revenu à quasiment égalité d'HP alors qu'il avait 40 HP d'avance. Mais mets pas un coup à 13, c'est tout ce que je demande. Battez-vous. Ok, l'esquive. Oh là là, 9. 4, 7, 5, encore un coup. One more. Pas de clim. Let's go. J'ai baisé sa grand-mère. 8 points de compétence. C'est impossible normalement. Personne le bat à ce stade-là du jeu, sauf les légendes. C'est-à-dire moi. En d'autres termes. C'était un beau combat. Ah, maintenant c'est un beau combat quand je te casse la gueule. Hein. Vaincre Bill. On va passer donc plus tard. Mon frère Marc t'aimerait aussi t'affronter. Histoire de se dégourdir les jambes. Vas-y, je vais l'allumer, Marc. Je crois pas que... C'était bizarre. Eh, hey, je lui ai baisé... je l'ai battu, Casey, le mec. Bon, j'ai plus d'oseille. Par contre, pourquoi j'ai 20$? J'avais pas fait le plein d'oseille. Ah non, j'étais venu pour ça, en fait. Je suis con. Bon, bah, on est obligé d'aller là pour avoir la voix du tigre. Vous avez des baskets rouges, donc vous marchez plus vite. Vos déplacements en ville nécessitent 30% moins de temps. Rien à foutre. Gagnez 15% d'agilité en plus lors de vos entraînements. Oh la dinguerie, mangeur de riz. Le slot. Ah merde, j'ai oublié. Ouais, slot actif. Désolé. Je le prends après. De toute façon, je vais aller faire du PAO bientôt, là. Vas-y, on va livrer des pizzas. Hein. Ça tombe plus, c'est cheat. Comme ça, je peux mettre mes deux coups de pied. Ok, c'est bon, on arrête là. C'est aujourd'hui le combat. On va aller dormir. Je vais pas voir ce que j'ai dans mon frigo. Ouh, on me dit pas que les viewers sont en train de se plaindre pour des points de chaîne. J'imagine pas qu'on va se plaindre pour des points virtuels qui ne rapportent rien.
ça va. On est bien en bouffe. Je vais devoir payer le taxi. Est-ce que j'ai le temps de faire le pao? J'ai pas pris mes 2 points de force. Allumer sa grand-mère là. Round, ok, stat compétence, 2 points de truc, ok. Du coup là je peux aller chercher le slot en plus. $10 pour juste à passer à 2 de force, carrément, ouais. Parce que là c'est un nouveau combat là. Eh hey, l'ami, tu pourrais me filer un coup de main? Alors non, ça doit carburer la force, ça. L'endurance aussi, je crois. Ça marche, ça fait tout. Arrête, gros. Qu'est-ce que tu fais, ma gueule? Combattre. Encore Exor la macho, mais je vais pas déjà casser la gueule la semaine dernière. Il est en 2-2-2, je suis en 2-4-2. Allez, on y va. Moins 3, moins 6, moins 11, c'est un no match. J'ai battu un alligator tout à l'heure, donc c'est pas toi qui va... Oh, je suis en train de lui faire. On n'a jamais vu ça dans la boxe. Monsieur l'arbitre, arrêtez le combat. Arrêtez le combat, monsieur l'arbitre. Il n'arrive pas à me toucher. Tiens, moins 5 dans ta mère. C'est tout, 6. 6 en combo, c'est très faible. Hein. Je pourrais pas perdre, même si on m'enlevait la moitié des HP dès le début de la game. Voilà, hop, petit combo dans ta mère, tu vois, combo à 10, c'est l'un de mes plus faibles. Malheureusement, tu te le prends. C'est raté, mec. Fais un peu plus te concentrer. Raté. Et bon, c'est touché, là. Ok, doucement. Allez, j'ai plus d'énergie, là, c'est bizarre. On va enlever le gros coup de pied, je pense. On va faire un round de gestion. Ouh là là. On va enlever le gros coup de pied. On va se la jouer défensif. Je vais prendre cher ce round, mais ça va, j'arrive à envoyer des coups quand même. KO, allez. Je pense que j'aurais dû all-in, j'ai troll. Il gagne la bataille de l'énergie. Allez, JHP. En vrai, nique sa mère, allume-le. Voilà, direct, 7 HP. Encore un. One more, comme on dit. Dans le jargon, voilà, let's go. Let's go. Merci Ramzos, merci Sidek, merci Sinjin. Plus 35 en score de ligue. 3 points de compétence. Let's go. Salut mon gars, moi c'est Roy. Vraiment génial ce combat. Ouais, vraiment génial mon pote. Tu sais ce que c'est de gagner gros? Moi je viens de gagner gros grâce à toi mon pote. Et je tiens à te remercier. Allez, viens. On va aller s'en jeter une petite au bar, c'est ma tournée. Allez, pourquoi pas. Un pote. Roy, c'est vraiment un chic-type. Il pourrait vraiment devenir un ami. Super, allez, on y va. Après une ou deux, là, 5 bières, vous sortez prendre... Chouette soirée, hein, mais il a changé de tête. Hein, ouais, salut, c'est qui lui? J'aimerais te poser une petite question. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu sais de l'autodestruction? Vous avez rencontré Tyler, il a l'air sympa, vous devriez passer plus de temps avec lui.
L'auto quoi? Je préfère l'amélioration de soi comme me l'a enseigné mon père. L'amélioration, du genre faire grossir tes muscles, te faire un max de fric, posséder une grande maison ou une bagnole flashy. Tous ces trucs finiront par te posséder, toi. Tu le sais, ça? Écoute, je suis juste venu boire quelques bières avant de rentrer chez moi. Je ne pige rien à ton truc. Je sais pas ce que tu me veux. T'es pas un rapide pour un combattant, tu sais? Tu veux des nouvelles cicatrices ou pas? Tu préfères mourir sans elles, hein? Eh bien, repasse me voir quand tu seras prêt. Il y a une leçon dans l'art de l'autodestruction qui t'attend. Remporter 5 combats de rue. Qu'est-ce qui se passe, frère? Ok. Oh putain, Bill Spark, c'est qui lui? Oh, je vais me faire goumer. C'est pas grave, on y va. Oh bah c'est perdu hein. Frère, depuis que j'ai battu le crocodile, je pense que je peux battre tout le monde, mais il est trop tanky ce bâtard. Ah, il a niqué beaucoup d'énergie hein. C'est un mec basé sur la force. Si on arrive à l'esquiver, on le baise. On peut gagner hein. On peut gagner les gars. On peut gagner. Il a vraiment beaucoup d'HP d'avance, mais on peut gagner. Ok, on est en train de lui baiser sa mère même, je dirais. Ok, il a 10 d'énergie, normalement on peut gagner. Largement, on est même bien là. Oh, le combo de fou que je lui ai mis. Et là tous mes coups vont être dévastateurs en fait. Parce qu'il a plus de stamina, du coup je le mets KO. Je lui baisse sa grand-mère en fait. Ma stratégie est infaillible. Allez, il a encore quand même des HP d'avance. Il cogne fort hein. Mais là si je lui mets un coup, il est out. Mais frère, il avait 1 d'énergie. Ok, voilà, combo 15. Il a 22 HP. Je m'excuse. C'est bien, excuse-toi, mec. Je fais que de gagner tous mes combats. Allez, renvoie-lui encore un. Renvoie-lui encore un, allez. Terminé. 4 points de compétence encore. Bon, j'ai perdu beaucoup de points de santé, va falloir que j'aille manger des pizzas. Il y a des trucs dans la poubelle, hein, ça. Wow, mais c'est un hamburger. Je crois que je vais le prendre, on sait jamais. Mais c'est incroyable, continue de fouiller. Heureusement que j'ai vu la poubelle. Ok, j'ai 8 points. Ok, là, je vais pouvoir grind l'agilité avec ça, mangeur de riz. J'ai déjà pris le slot et après on pourra prendre voix du tigre. Ça coûtera 8 points. Ok. Et j'ai 2 jours pour m'inscrire encore. Mick, il m'a rien appris encore depuis le début. Hein. On va y aller en bus, on va acheter. Je crois que j'ai déjà acheté des steaks, bien le bonjour à vous mon héros. Frère, vas-y, fais une ristourne, un petit truc, non? Ah, j'ai perdu 32 points en fort, ok c'est bon. Je monte à 2 d'agilité, 2 de force, 2 d'endurance. On va bosser un peu. On va bosser jusqu'à ce qu'on soit KO. Ok. Si je peux faire 90$, c'est exceptionnel. Hein. C'est exceptionnel. La journée du siècle. La journée du siècle. Merde, c'est vrai que je me suis pas entraîné au PAO. Le PAO, c'est super important. Allô? Je vais y aller en vrai au PAO. Eh hey, gamin, tu t'es déjà rendu dans tous les lieux à visiter du secteur. Quel intérêt j'aurais à faire ça, Franck? Oh, je te dis ça comme ça, on trouve parfois sa voix dans les endroits les plus incongrus. C'est profond ce que tu dis, Franck.
peux aller faire du pao là, hein, j'ai le temps. Hein. Juste faut que je paye 3$ le bus. Et hop, je perds pas ma journée de pao. Pas besoin de se reposer vu qu'il rend pas les coups. Hop, c'est bon, le combat est gagné. Merci Popad. Hop, 2 points de compète. S'inscrire, dernier jour. On va bien évidemment s'inscrire, ça fight dans 2 jours. Carte de la ville. Et après il m'a parlé de visiter des trucs, j'ai déjà tout visité. On va rentrer, se nourrir et dormir. Hamburger périmé. Il a l'air excellent cet hamburger. Juste que je peux pas me permettre de le manger maintenant. On va dormir. Il est en quelle difficulté? Hardcore pour ma première game. Non mais dors encore, peut-être j'ai arrêté de dormir. J'ai encore toute la journée, j'ai 81$. On va graille, on a bien dormi. Je réfléchis encore à ce qu'il voulait me dire l'autre. Bon, l'hamburger je le garde vraiment quand je serai en Hesse, ok? On va d'abord aller faire notre entraînement de Pao. On va aller là-bas, salut. On va remplir le frigo. Hop, 2 viandes à la maison, alors qu'on est bien en bouffe. Comme ça, on peut stack un peu. Ça coûte 1$, on va faire le pao. Et on va commencer à grind l'agilité. Quoi? Ça ira pour aujourd'hui, passe demain, ok bon. On va full grind l'agilité. Je vais lui filer un coup de main, lui je lui ai pas parlé encore, c'est vrai. Ok. C'est parti. Ok, mais frère, j'ai des trucs à faire moi quoi. Mais il a pas besoin de moi en fait. Ok, il a besoin de moi pour la dernière rep. Tu peux me donner 100$? Merci, je t'ai vu t'entraîner, tu m'as l'air doué pour le combat, c'est vrai. Ouais, ça m'arrive de coller quelques pains par-ci par-là. Alors je connais un truc qui pourrait peut-être t'intéresser. Il y a un endroit de l'autre côté de la rivière dans un entrepôt. T'as déjà entendu parler des combats extrêmes clandestins? Pas vraiment. Oh, ils peuvent me payer. Combat ultime. Mais attention, il n'est pas rare de finir avec une blessure grave à l'issue de ce genre de combat. Auto, si on gagne, il n'y a pas de blessure. Et on va gagner. Bon, allez, on va entraîner l'agilité à fond. En fait, depuis tout à l'heure, je la laisse retomber, mais je climb plus l'agilité, en fait. De toute façon, le combat, c'est demain. Hein. Demain, j'aurai juste à passer niveau 2 en force et niveau 2 en endurance. De toute façon j'ai des steaks, hein, je peux continuer. Objectif atteint. Entraînement efficace, vous êtes en super forme, vous pouvez être fier de vous. Ok mais... Ils m'ont baisé mon truc là. Aujourd'hui c'est jour de match. Ok, carte de la ville. Entrepôt abandonné, on n'y va pas aujourd'hui encore. Gym, on s'entraîne au pao. On prend nos points de compétences. Win. 2 points de compétences, parfait. Après ça commence à faire cher en ça, hein. Ok,
Ok, téléphone encore, il me casse les couilles. Merci à Yusuke. Hey gamin, tu as blindé ton garage d'équipement Jeep ou pas encore? Si tu économises assez pour t'acheter du bon matos, tu n'auras plus besoin de te rendre au gymnase. Ah ouais, de fou, frère. Je veux, mais bon, fais gaffe quand tu te balades avec du fric plein les poches, y a pas mal de types là d'or. Mais frère, je suis un combattant. Ça, c'est game, ça, c'est tout ce qu'il me fallait, frère. Le chat est mort, mais je sais pas pourquoi c'est en sub mode. Hey, les modos, ils doivent avoir la même raison. Les gars, j'ai envie de taper dans l'hamburger, hein, je peux pas vous mentir. Hein. Et il y a un combat aujourd'hui. Je le garde pour après le combat, on sort. Il y a le temps, j'ai toute la journée encore. Vas-y, je vais payer le bus, même si ça me coûte beaucoup de... Monsieur propre. Ok, ça coûte 150$. Comment te dire que on va d'abord faire des combats clandestins, mon pote. On y va, on va passer à 2-2. J'ai plus un euro là, par contre. Hein. On va passer à 2-2. On va se retaper un steak. On sera en pleine forme. Je peux même aller bosser là en vrai, hein, no joke. Hein. Après non, si je fais mon combat plus tôt, bah c'est réglé. J'aurai de quoi faire dans la journée. Je pourrais peut-être enchaîner sur un deuxième combat. C'est vrai que c'est une journée au chantier, c'est barbé. Hein. Combattre, ok. Bob Dredson, OMG. Il a 1 en force, 2, c'est un mec endurant. C'est un mec endurant, t'es à l'endurance. 5 d'agilité, je gagne au stat. Normalement, je le bats. Y'a aucun monde où je perds. Ok, ouais, je vais gagner, c'est terminé. C'est gagné, pas besoin de musique. C'est pas un combat difficile. Après, il tank, hein. No joke, il tank, hein. Ok, l'esquive, 4. En vrai, c'est close, hein. Peut-être sous-estimé. Il est en train de niquer toute son endurance, c'est gagné. J'ai esquivé tous ses coups. C'est terminé. J'ai la même force que lui, en fait. Le truc, c'est que lui, il a niqué toute son endurance. Plus de stamina, alors que c'est son point fort. Parce qu'on tape dans le vent. Et maintenant, je vais pouvoir mettre des KO. Voilà, moins 10. Et là, un coup de pied et il est out. Bon, il y a eu de la chance, il y a eu la... Le gong l'a sauvé. On dit sauvé par le gong. Il a 10 d'endurance. Merci à Koshad. Non mais c'est gagné, c'est terminé dans tous les cas, voilà, moins 8. Il a régène des HP en se relevant ou j'ai rêvé? Il a peut-être une capacité qui lui fait ça. Il m'emmène quand même round 4, hein. Franchement, belle perf. Ah, je parle comme si j'étais un... Ouais, je suis bizarre, là. Okay, il esquive tout. Il fait un round de repos. Ah, il m'envoie quelques pains, quand même. Voilà, au sol, bouffon. Ah, il a rien régène, là. J'avais dit HP. Round 5, c'est terminé. Pour l'instant, les combats, c'est trop facile. Il n'y a pas besoin de gérer. Je suis dans une ligue amateur, hein. Je suis pas encore dans la ligue des zinzins. Ok, 3 HP. KO, le jeu est tellement complet, frère. 4 points, on avance dans la ligue. J'ai donc 9 points de compétence, les amis. Les amis, c'est l'heure de devenir El Tigre. I of the tiger, which is the other fight. Attends, oh là là, c'est une dinguerie, frère. Oh là là, la dinguerie.
de moi. J'ai pas d'argent. C'est l'heure d'aller faire des combats. Les gars, c'est l'heure d'aller faire la street, la vraie. La street, la vraie. Combien ils payent les combats? T'as pas une gueule de flic, alors oui. Ok, on est dans la ligue ultime. Ça m'intéresse. Combien on paye? Et pourquoi on ne paye pas les combats amateurs? Il n'y a pas de combats tous les jours et nos combats sont vraiment dangereux. Mister V? Match organisé, score, combat disponible, combattre. Freddy Gately. Ouah, je vais me faire tuer, frère. Je vais me faire tuer. J'espère on me paye quand même. Après, j'ai déjà battu des bugs à 150. T'inquiète. Ma strat sur l'endurance, elle marche. Il faut faire confiance. Trust the process. Trust the process. On est en train de grind en plus là. Regardez, il a plus d'endurance déjà. Faut juste tanker, faut juste pas prendre trop de dégâts premier round. Ça m'a l'air barbé. Il a plus d'endurance. J'avais pas mis la voix du tigre. Allez le crâne. La voix du tigre. Il peut pas me toucher. Moi tout de suite je l'ai mis. Attention parce que il met des coups à 7 et ils sont dévastateurs. Ok, moins 14. Ok. Oh, il a regagné 36 d'énergie. Le tigre. Aïe. Le moins 6 fait mal. Ok. Je peux le battre. Non. Il m'a mis très mal. Il m'a mis très mal. En deux coups. Encore un coup et je suis mort. Ah, je me suis battu comme un tigre. Ah, FF. Ah, c'est bon, enlève la musique. $20. Wouah, j'ai failli mourir, frère. Vous avez été blessé, il va falloir du temps pour récupérer. Bras cassé. Putain. On va y aller à pied, frère. Ça, dans tous les cas, je suis à zéro, je vais pas mourir, frère. Quatre jours de blessure, frère. On va aller bosser, hein. Bah, c'est rien, je me suis fait casser la gueule, frère. Qu'est-ce que tu crois, petit? N'empêche, je la trouve moche cette blessure à ta place. Je demanderai quelqu'un de jeter un coup d'œil. Bah ouais, mais qui va m'aider, genre? J'essaye Chinatown. Il y a un médecin chinois réputé pour ses talents de soigneur et pour son alcool de lit. Hein? Vas-y. Mais il va me faire payer. Tu peux pas me donner de l'argent plutôt? Maître ivrogne, wesh. Bien sûr, je connais d'anciennes techniques, mais je vais avoir besoin de votre, de certains ingrédients. $70, mais vas-y, jamais de la vie, frère. $70, casse ta mère. On va aller bosser au taf qui paye sa mère.
On rentre en bus. On va dormir. En vrai, les travaux, c'est tellement mieux, ça paye 50$. Cela affectera l'efficacité de votre entraînement, pardon. Attends. Le problème, c'est que double combat, c'est bizarre, frère. Là, j'ai 2 jours pour me remettre bien. Faut gérer ton bonheur aussi. T'inquiète, je vais aller manger des steaks crus et il va être content. Frère, vas-y, frère. Juste vends-moi des steaks. Et on va graille. Et voilà, hop là. Vous voyez, je vous avais dit, il allait être content. On va s'entraîner au pao. Ah ouais, j'ai 64 PV, frère. Faut que je règle ma santé. Gagné. Encore une victoire, hein. Vous allez me dire c'est le PAO, ok, mais ça compte comme une victoire. On y va en bus, on travaille. Ne parlez plus de combat, de je sais pas quoi, frère. Ça y est, j'arrête ma carrière. Oh, il est démoralisé à cause du taf. 137$. Je crois que je peux aller jouer à la play à la maison. C'est quoi cette mallette? Ça commence à me casser les couilles, ça, frère. Je dois régler mon problème, là. Affecte l'efficacité des entraînements. Mais de toute façon, je m'entraîne pas, donc ça va. Boutique de sport. Eh, prof, vous m'avez l'air triste. Oh, bah, les problèmes de la vie, tout ça. Ça sent le crime par ici. Ouais, comment avez-vous deviné? Quelqu'un a volé mon laser. J'ai pas très envie qu'ils apprennent que j'avais un laser dans ma cave. Ça peut se comprendre. Qui pourrait tomber assez bas pour voler un scientifique? J'en sais rien, ma mère a parlé à des types portant des masques d'animaux. Je commence à trouver toute cette histoire sacrément louche. J'essaie de retrouver votre laser. Ça serait génial, j'aimerais tant pouvoir le serrer contre moi. Ma gueule ou quoi ce mystère? Je suis obligé d'économiser du temps là, je suis obligé. Il faut que je joue, je pense. Je pense jouer, ça va augmenter mon bonheur. Après, ça nique l'entraînement, ça nique pas le combat. Non, c'est trop, c'est bien trop de la merde pour... Il me reste un steak, non? Ça va augmenter bonheur, stamina et vie. Et là, vas-y, on va pouvoir faire le combat. Je suis 8ème dans la ligue, là. Ok, combattre. On est contre Dragon Ray. Oh, j'ai troll, les gars, j'ai pas fait mes pompes. C'est pas grave, je peux gagner. Ah, c'est fini, CFF. Je fais pas de dégâts, il m'allume la gueule. Je suis blessé en plus. Blessé, frère. Je tape 0, je suis blessé, wesh. Et même comme ça, je le déchire. Ouais, bon. C'est terminé. Attends, j'ai pas mis la voix du tigre. Non, le combat de rue, là, ils m'ont baisé, ces bâtards. Faut que je m'entraîne beaucoup plus avant d'y aller. Ils sont bien foutus de ma gueule. Le combat de rue m'a ruiné ma carrière. Ok, OMG. Un miracle. Un miracle. Ah non, c'est terminé. Mais si, j'ai la voix du tigre, frère.
terminé, je fais que 12, frère. Oh que oui, frère. Appelle ça de la magie, c'est toujours, mon pote s'appelle ça de la science. Oui, je veux me doper, oui. Le scientifique, pique-moi. Par ici. Oui, je veux me doper, oui. C'est vous le type qui fait de la magie? De la magie? Non, 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 c'est de la science. Je dispose de potions qui pourront vous rendre plus solide, meilleur, plus rapide, plus fort. Je les concoque dans mon sous-sol. Vous m'avez l'air assez courageux pour les essayer. Bah ouais, frère, envoie ma gueule. Augmente temporairement votre agilité. Augmente temporairement votre... Ah, mais ça pue sa grand-mère, frère. Je vais jamais faire des trucs comme ça, moi, de toute façon. Combat disponible. Mais ça, je peux attendre demain, ça, en vrai. Frère, il me reste un jour de blessure. Je sais ce que je vais faire, les gars. Je vais faire ce qu'il faut pour améliorer mes conditions de vie. Je vais faire ce qu'il faut pour améliorer mes conditions de vie. On va bosser, frère. Ok, nice. Allez, s'il te plaît, encore 30$, je t'en supplie. Je t'en supplie. Casey! Non, fils de pute! Pardon. Et voilà, frère, je vais perdre trop de temps dans la journée, là. Je vais perdre trop de temps dans la journée, du coup. Au moins, je suis plus blessé, là. Là, c'est terminé. Ok, on y retourne. J'économise. Rester une seconde, bah vas-y, on va reprendre 30$. Tu sais quoi, on va reprendre 30$ tant qu'on y est. On y est, on va reprendre 30$, frère. Fils de... Ok, c'est bon. Frère, je vais m'entraîner, nique sa mère, ça sert à rien. Faut que j'aille voir Pao. Est-ce que j'achèterais pas le Wing Chun? Mon père s'entraînait sur le Wing Chun en plus. Ah mais j'ai pas assez. Faut que j'aille bosser. Putain, est-ce que je vais pouvoir faire 60$? Commander une pizza, va te faire foutre. Jamais je fais 60$, jamais de la vie. Jamais de la vie je fais 60$. Je peux pas vendre mon tapis où je fais les pompes? Les gars, des fois dans la vie, il faut prendre du temps pour soi-même. C'est ce que je vais faire, je vais prendre du temps pour moi. Je vais me faire oublier des médias. Les médias font que de parler de moi, où est passé le crâne, ces combats étaient exceptionnels, on avait vraiment une future superstar. On avait vraiment une future superstar dans notre ligue amateur qui est regardée par toute la planète Terre et il a disparu. Où est-il? En plus ça marche pour le storytelling. Putain, y'a rien dans le frigo ça, grand-mère. Tête de la mère, j'ai payé le bus pour aller voir Mikey, Inch'Allah il me donne de à manger. Rien à manger. Eh ouais, il sait que j'ai de l'argent, ce bâtard. C'est que quand j'ai rien qui... Ah ouais, fils de pute. File-moi ton fric. Ok, tu veux combien, frère?
vais essayer de fuir. Y'a moyen que je lui baisse sa mère en vrai. Hein. Je suis devenu trop faible là. Frère, il m'a attrapé à un moment où je suis KO, frère. Et je lui baisse sa mère là. Là, je le baisse. Je lui arrache la gueule, quoi. Il est long ce round. On est revenu équivalent en HP alors qu'il avait trop d'avance de base. J'enlève toute son endurance et là je vais pouvoir le faire tomber maintenant. Pour le knockout. Voilà, dans ta mère la pute, pardon. Voilà, s'il te plaît frère, tu veux voler qui, fils de pute? Tu peux lui voler son argent du coup? Ça lui apprendra. Mais frère, tu vois un mec en short, avec des bandages sur les mains, un peu bien musclé, bien gainé, qu'est-ce que tu vas essayer de le racketter? Il est con ou quoi lui, frère? Encore eux, tu vas te faire allumer ta mère. Mais j'ai pas acheté à bouffer du coup, hein. Putain, c'est... En bus, 0$. Non, c'est 10 points le prochain. Il faut que j'attende demain pour le prochain PAO. En bus, 2$. Ok. Carte de la ville, en bus 6$. Allez, on fait 100 balles, on style, on aura 282$, c'est 250 le Wing Chun. Et on va pouvoir se remettre à l'entraînement. Trop fatigué, bien sûr, envie de canner. N'oublie pas le PAO au quotidien. J'en ai plus rien à foutre, mec. J'en ai plus rien à foutre, frère. Rien à foutre de la ligue de combat. Je suis top 8 maintenant. Merci, Zizil. Fin de jour 2. Ok, réveille-toi. Allez, on y retourne en bus. Mais je vais avoir faim bientôt, c'est ça. Hein. Ah non, ça enlève pas ma faim. Ah si, ça enlève ma faim. Je remets plus jamais les pieds au chantier, mais je pourrais pas finir un troisième. Envoie 50$, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, tiens bon. Tiens bon. Je sais que t'es déprimé, mais tiens bon. Tiens bon. Combat dans 2 jours, les amis. Combat dans 2 jours, la team. Attends, attends, mais frère, j'ai plus 1€, frère. Merci Mikey. Je suis obligé de bosser un peu, je suis obligé de bosser un peu.
J'ai troll, frère, j'ai troll. On va acheter 2x40. Pile 15$ pour le PAO. C'est parfait, c'est parfait. Le cram is back. En train de faire un nunchaku maintenant. Mais normalement, il y avait écrit que ça augmentait le bonheur, wesh. Ouah, comment ça pue sa grand-mère. Attendez, les gars, parce que là, c'est très important. On a le coup de pied haut de karaté qui fait plus de dégâts de base et qui fait 6. Là, il fait 4. Mais le problème, c'est que si je vais en bas, il faut que j'ai les meilleurs points, quoi. Ouais, je suis pas heureux, c'est pour ça, faut que je sois heureux. Le combat est demain. Et je crois qu'en haut, c'est broken. Là, en mangeant les steaks, il va être heureux, les gars. Vous en faites pas. Vous en faites pas, les gars, il déprime, mais... C'est parce que ça fait longtemps qu'il s'est pas battu, il est pas content et tout. Là, il va aller dormir. Regarde la téloche. Ouais, mais c'est trop de la merde. Je préfère dormir, ça augmente le bonheur un peu et l'énergie, quoi. La téloche, ça augmente juste le bonheur et c'est trop faible, le bonheur. Mais bon, on va le faire, hein, je pense. Hein. Là, c'est trop bas, frère. J'ai mon combat aujourd'hui. Frère, guette, le bonheur, il augmente trop lentement, wesh. Ah, quoique, ça va, en vrai, je suis un ouf. Ça y est, il a pas besoin d'être le plus heureux du monde non plus. Ça va, en vrai, ça va. Le problème, c'est que j'ai pas 1€. C'est quoi cette tablette là? Voilà, un peu de bonheur, un peu de truc. On va s'entraîner au Nunchaku maintenant. Ça fait longtemps que j'ai pas step up. Après, j'ai bien augmenté mes points de compétence en vrai. Ah, je suis tellement loin des deux de force et deux de... C'est un peu de la bouse, ça, non? Ça pue sa grand-mère, hein? Si je ne m'abuse. Au moins deux dans l'un des deux. Sans mauvais jeu de mots. S'il te plaît, vas-y, commence pas à me mettre à rien. Ah, vas-y. J'ai pas d'oseille, je peux pas manger. Vas-y, fils de pute. On va combattre. Ah, en vrai, maintenant... Oh, je suis contre Songmo, il est trop nul, lui. Free win, frère. Oh, la free dub. Je laisse 3-4 tellement le combat, il a pas d'intérêt. En fait, ça va, du coup, je peux laisser la fin de la journée pour faire le combat. C'est lourd, ça. Ouais, là, je peux manger à l'œil, là. Je vais aller manger chez Mick. C'est aussi une strat de manger à l'œil, hein. Voilà, il est mort. Voilà, grand retour, victoire, 60 de bonheur.
Une vraie locomotive. Ah, poteau. Et on s'est bien marré la dernière fois, ça te dit de remettre ça? Frère, je dois m'entraîner, les gars. Je me dois de refuser. Allez, on y va. Ça fait du bien de souffler un peu. Oh, si je vais chez lui, je peux peut-être manger à l'œil, les gars. Non, les gars. En vrai, c'est rentable. Je me fais passer pour son ami. Et là, il m'a invité chez lui. Si je vais chez lui, je peux sûrement manger à l'œil. C'est ce qui m'intéresse, moi. Sa sœur crame. Je m'en fous de sa sœur, moi. Je veux juste manger, moi. Chez Roy, il habite juste à côté de la maison. Déjà, je vais d'abord aller manger à l'œil chez Mick. Salut, Mick. T'aurais pas un sandwich périmé à me donner? Ok, merci, voilà, gratos. Oh, le camtar. Eh, mon pote, ça fait plaisir de te voir. Quoi de neuf? Eh ben, je suis allé chercher ma soeur, mais ma voiture est tombée en panne. Galère! Ouais, enfin bon, je lui ai parlé de toi, je lui ai dit à quel point t'es génial. Mais nos trucs de combattant, ça l'impressionne pas vraiment. N'empêche, tu devrais passer lui dire quand même bonjour, t'es un chic type, mais wesh. Il veut que je gère sa sœur là? Vous devrez rencontrer Adriane. J'aime bien les refs à Rocky. Espérons qu'elle ne lui ressemble pas trop. Merci mon pote, ok, je repasserai la saluer. Adriane! Adriane! Après, on pourra aller s'entraîner ensemble, mais le frérot est pas combattant. Demandez à Roy de se joindre à vous pour s'entraîner. Mais je veux pas en fait, je veux m'entraîner tout seul, je veux juste manger à l'œil. Et on fait pas un dîner? Salut, ça va, je suis un ami de Roy, il a dû te parler de moi je crois. Oh salut, ouais, il s'est pas arrêté de me dire à quel point vous êtes des super potes, super cool. Toujours aussi vantard et toujours aussi gamin. Ok. Moi c'est Adrian, enchanté. Enchanté aussi, faut que j'aille dire un truc à Roy. Gagner l'affection d'Adrian, ça sera probablement plus difficile que vos combats. Rigoler avec Roy, aller au bar, interroger sur sa sœur, suggérer de s'entraîner ensemble, suggérer un combat amical. Ouais Roy, ta sœur elle est plutôt, sacrément mignonne quand même. Ça c'est la famille. Et puis elle en a dans la caboche hein, attention. Je vais te confier un petit secret, je crois qu'elle t'aime bien. Je sais pas trop Roy, c'est vraiment pas l'impression que ça m'a donné. Mais moi je te le dis, tu sais quoi, elle adore les fleurs, hein, je vais en venir. Ok Roy, merci pour le tuyau. Ah, je me trompe sur ma voix. De rien mon pote. Je crois que sortir avec un type comme toi ne pourrait lui faire que du bien. Suggérer de s'entraîner ensemble. Eh hey, hey, ça pourrait être cool qu'on s'entraîne. Ah merde, nique sa mère. Ouais mon pote, s'entraîner avec un partenaire c'est carrément plus efficace. Mais je dois réparer ma bagnole, elle est toujours en rade. Tu veux me filer un coup de main, échange de bons procédés, tout ça? Vas-y, je l'aide. Vas-y, je l'aide. Bon. Mais fils de pute, c'est... Normalement, on doit travailler à deux, non? C'est vraiment génial que tu m'aides, mes fils de pute. Ah, pardon, il y a la cam dessus. Mais les gars, il y a écrit bouffon sur mon front. Bon, voie du tigre. Ok, prendre la voie du bas nous amène sur esquive coulante. Consomme moins d'énergie mais dépend fortement de l'agilité. Ok, parfait. Modificateur de frappe, si activé, réduit de 25% l'efficacité des blocs. Ok, pas mal. Équilibriste niveau 2, votre agilité ne descendra jamais en dessous de 8. Ça c'est un point broken je pense, mais je peux l'attraper si j'ai inarrêtable, non? Frappe pénétrante, réflexe. Coup de pied circulaire. Ok. Et en haut j'ai frappe de karaté, réplique, contre-attaque, si activé, toute attaque esquivée reflète 25% des dégâts de l'attaque de l'adversaire vers lui-même. C'est broken. Et là j'ai technicien, vos chances d'esquiver augmentent et dépendent plus de votre plus de votre agilité.
Tous les dégâts infligés par vos adversaires sont réduits de 20%. Incroyable, quoi. Après, ici, j'ai mangeur de riz 2 et équilibriste 2. Et ça, c'est pas mal du tout. Et en plus, en bas, j'ai un meilleur coup, quoi. Le truc, c'est qu'en haut, réplique, c'est excellent. Et technicien, c'est excellent. Du coup, je peux aller juste chercher ça et après m'arrêter. Mais là, le coup de pied de karaté, il met 6 de dégâts, les gars. Et il coûte 3 d'endurance. Je peux voir mon build actuel. Non, le coup haut croisé, on s'en bat les couilles parce qu'il dépend de la force. Et là, il fait 5. Il fait 5 en vrai, ça pue sa grand-mère. En fait. Lui, il fait 2, mais c'est parce qu'il réduit l'endurance et l'agilité. Je pense qu'on va aller en haut, hein. En haut, juste pour réplique et technicien. Là, il coûte 4, mais il coûte 2 en énergie. Et là, il coûte 6, mais il coûte 3 en énergie. Il fait 6 de dégâts, mais il coûte 3 en énergie. Là, il coûte 4, mais il met 2 de dégâts. Ok, attendez 2 secondes. Moi, il coûte 5. Il fait 5 de dégâts, mais il coûte 2. C'est très bien, frère. C'est le parallèle entre les deux. Et celui-là, il est moins bien que mon coup de pied que j'ai appris de base. Après, le truc, c'est que là, équilibriste 2, ça fait que je peux monter à 8 d'agilité et jamais descendre. Mais là, on est loin des 8. Mat la précision aussi, c'est vrai qu'il y a la précision. Là, il y a 120 de précision, ça veut dire que je mets 6 de dégâts avec 120 de précision pour 3 d'endurance. Là, je mets 4 de dégâts avec 120 de précision pour 2 d'endurance. Et là, c'est 95 de précision. Mais le truc, c'est que réplique... Là, si activé, je reflète 25% des dégâts de l'attaque de l'adversaire vers lui-même. Plus j'ai technicien. En gros, il faudrait que je fasse un mix des deux. C'est vrai que c'est 25% de 5 de dégâts, quoi. Je renvoie 2. Là, j'ai esquive coulante, c'est quoi? Consomme moins d'énergie, mais dépend fortement de l'agilité. Bah, c'est broken, ça, déjà. Ça augmente mes esquives. Ça me fait une esquive qui est basée sur l'agilité. J'ai plus de coups. Réflexe, contre-attaque, inflige de gros dégâts à l'adversaire. Et ben, après, il y a équilibriste aussi qui me met super bien en fait. Équilibriste qui me met super bien. Et après, je peux enchaîner sur mangeur de riz 2, donc full step up en agilité. Après, attendez. Parce que si je vais en haut, les gars, regardez. Après, il y a équilibriste 3. Mais bon, c'est dans 10 ans, quoi. Je vais en bas, les gars. Le jeu que je vais en bas. Dernier jour. En fait, j'ai pas les stats de technicien, là. Technicien, j'ai pas les stats. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que je bouffe. Mais j'ai pas d'oseille. J'ai des trucs à la maison, non? Ok, pizza surgelée. On va aller faire de l'oseille, hein. Dans tous les cas, je prendrai les trucs en haut.
J'ai pas d'oseille, les gars. Je peux même pas acheter de fleurs à Adrian. Le truc, c'est que le chantier, ça me déprime trop. Combat dans 2 jours. C'est bon, j'ai eu mes 60$. On peut se tailler. On peut se tailler. Le problème, c'est que le jeu me donne 0 argent en fait. On va aller faire le pao et acheter de la viande. Vous aimez les pizzas? Dites-moi, j'ai un ami qui possède un restaurant et je crois bien qu'il pourrait avoir besoin de vous. C'est bon, les pizzas, ça se voit que vous aimez ça, mais vous devriez peut-être manger un peu plus équilibré. Merci, le travail ne me fait pas peur. Bah, je l'ai déjà débloqué en gros. Oh, j'avais 60$, ok. Et là, je peux rien acheter d'autre. On se taille. Carte de la ville. On va s'entraîner au PAO. On va prendre l'entraînement au PAO. Faut vraiment plus que je troll les entraînements au PAO, là. Faut que j'ai un nouveau coup de pied, du coup. Win. 2 points de compétence. Et là, faut que je m'entraîne sur les stats. Ça fait longtemps. Ça fait très longtemps que je me suis pas entraîné en stats. Très très longtemps que je me suis pas entraîné en stats. Ah, je sais pas. Il y a un truc qui va pop là. Putain, il me baise ma vie, ça, cette vieille mallette de merde. Ouah, il y a un truc qui a été cassé. Merci à Tibol. Ah, quel bazar. Laisse-moi deviner, tu t'es fait cambrioler? Pas moi, mais on a emporté des boîtes en carton. Ils sont déçus portant des masques d'animaux qui ont fait ça? Ouais, comment tu sais ça? Tu as quelque chose à voir là-dedans? Non, 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 pas du tout, mais j'ai trouvé une drôle de mallette et... Bref, c'est trop compliqué. Ouais. On dirait que cette mallette recense des crimes commis un peu partout en ville. Wesh, qu'est-ce qui se passe? Et ces derniers temps, bien trop de crimes. Ce dont cette ville a besoin, c'est d'un héros. Et ce héros, c'est moi! Il est temps de démolir la tranche des criminels. Mais frérot, on doit s'entraîner, ma gueule. Vous êtes désormais le point de la nuit, vous êtes trop cool. Si, si, la coulance, mais vas-y, frère, on a des trucs à faire, là. Bien vu pour être... Bien vu d'être cool, mais on doit bosser, là. Ma journée doit être basée uniquement sur le Pao et le Wing Chun. No joke. No joke. Là, je vais pas gagner de stats encore. J'espère qu'ils m'envoient un combattant faible, frère. Sinon, je suis dans la merde. Prochain combat aujourd'hui. Ça pue sa grand-mère, frère. Ça pue. Je l'ai payé 250 balles, frère. Je savais que j'aurais dû acheter le truc only agilité. On va pomper un max, hein. J'espère que Mick, tout à l'heure, quand il disait c'est la dernière fois que je te paye à manger, il mentait, hein. J'ai 1$, frère. Ah ouais, c'est comme ça, Mick. C'est comme ça. Ok, Mick, ok, c'est comme ça. Espèce de vieux crouton, frère. Ça me crache dessus. Retour au chantier, frère, trop fatigué.
La CFF, là, je peux plus rien faire. Ah si, la poubelle, doit y avoir un truc, ouais, t'as raison. Parfait. Ok, maintenant que je peux plus compter sur Mick, je dois me faire tout seul. Le problème, c'est que ça baise ma santé, frère. Je vais dormir jusqu'au combat. Hein. Je vais dormir jusqu'au combat là, Chim. Hein. Oh non, lui il est trop fort, lui frère. Putain, mais je tourne en rond, Zepi. J'aurais dû refuser le combat. Arrête, j'ai mon nouveau coup de pied. Hein. Ça a l'air de bien se passer là. Putain, je prends mon premier coup. S'il te plaît, mets le nouveau. Ah, oh, vas-y, FF, m'a mis 13, wesh. 8. 8 en un coup. Terminé, jette l'éponge, jette l'éponge. Quoi. Je vais me blesser là, je suis blessé, non? Avant, je m'entraînais à la salle, tout se passait bien. Avant, je m'entraînais à la salle, tout se passait bien. J'ai de quoi acheter une pizza au moins pour continuer de bosser. Je vais faire 1000$ là, c'est bon, sachez-le, je vais faire 1000$. J'ai payé 250 balles dans un truc qui pue sa mère. Et maintenant je me retrouve à livrer des pizzas tous les jours alors que je suis un combattant de renommée mondiale normalement. Tout le monde m'acclame dans tous les... Tout le monde m'acclamait avant, je n'ai que de gagner. Ça y est là, frère. Qui va me soutenir? J'ai trop de défaites. Parce que le chantier, ça nique trop mon bonheur, en fait. Les pizzas, vas-y, ça le nique, mais vite fait. Et en plus, je peux manger sur place. Ça veut dire que je peux travailler en boucle. J'avais besoin de quelqu'un. Mais il est con ou quoi, frère? Je travaille déjà ici, ils sont cons, hein. Frère, ça y est. Ça y est, la boxe, tout ça, j'arrête, moi. J'arrête, je vais gérer la sœur de Roy. Et c'est tout, frère, je vais fonder une famille. Faut arrêter les conneries aussi. Faut arrêter les conneries. Je savais, j'aurais dû acheter le petit truc, ça imaginant. Achète le Wing Chun, je sais pas quoi. Ça c'est. Je savais, faut focus sur un truc. Livreur de pizza, petite famille. Un jour je récupérerai la pizzeria. C'est ça la vie, frère, c'est ça la vie. C'est ça la vie, c'est pas juste. Voilà quoi, on est là, on se bagarre, ça sert à quoi? Y'a pas de hobby, frère, y'a pas de hobby. Hop. Je mange à la pizzeria, je livre des pizzas. C'est ça qu'il faut faire. Le problème, c'est que c'est trop dur. Je fais pas d'argent, frère. $121.
Pao. Je vais faire que Pao ça, Pao ça, Pao ça. Après je fais une semaine. Une semaine d'entraînement intensif sur mes capacités. Et j'arrête, c'est bon frère. Nouveau point, voix du tigre. Là je pourrais avoir réplique frère. Mais là je vais bientôt avoir équilibriste 2. Face au temps que j'ai pas équilibriste 2, faut pas me parler, je veux plus me battre. Je veux plus me battre. Tant que j'ai pas équilibriste de 2, je vais plus me battre, frère. Je vais monter à 8 d'agilité. Va dormir. On est bien. Vas-y, dors, dors, dors. Récupère ma gueule. Récupère. Après, on va aller se battre. Enfin, on va aller se battre pour vivre, quoi. C'est le combat de la journée. Ça sert à rien, y a pas d'inscription, niquez vos mères. Je suis plus boxeur moi. Il faut une musique de transition là. Il faut une musique de transition. Parce que là on vit la galère là. Vas-y toi, vends-moi des steaks, ça donne 42 viandes, ça y a pas plus rentable dans le monde. 4 steaks. Non, pas encore ça, frère. Ouais, y'a un mec qui a mis le son parfait, frère. Chassiri. Chassiri. You got me home again. About me now and then. Do you think about me now and then? I'm coming home again. Coming home again. Je vais les sauver. Désolé, 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 pull up, c'est la version YouTube. Du coup, ils mettent de la censuration. Faut pas abuser, je suis pas un bouffon, moi. On va allumer les chats. Wow. Moi, besoin, moi, bête, ok, vas-y. Je suis le point de la nuit, laissez ces chiens tranquilles. Je rigolais frérot. Je lui allume sa mère en vrai. Ok. Je lui allume... Ouais. Il met que des supercutes frère. Attendez, parce que là je suis en train de me battre, donc j'ai repris le combat un peu. Putain, je vais me faire goumer gratuitement encore. Pourquoi je me suis battu? On voit pas les stats, la merde. Père, HP égal, je lui baisse sa mère, vous le savez déjà. On pense moins 6. Désolé, ils sont trop forts, frère. La prochaine fois, on va y arriver. Ils peuvent pas m'entraîner les bugs ici, rien. Mais j'ai pas acheté de fleurs. Ah, il y avait des fleurs ici. Il y a pas de boutique de fleurs en fait dans le monde. Il ne s'est pas trompé. Elle veut des fleurs. Ce qui m'intéresse, ce sont les fleurs. J'en fais collection dans mon herbier. Ah ouais, je vois ça.
rien pigé, sa mère. Je pourrais peut-être te donner un coup de main. Vraiment, ça serait génial. Je connais pas trop la ville, donc ce serait chouette si tu pouvais me rapporter des fleurs de différents endroits où tu te rends. Pas de problème, je vais fouiller toute la ville. Hop, une fleur. Eh, je crois que j'ai trouvé une fleur. Oui, c'est ça, il m'en faudrait encore 5. Mais je vais être payé ou pas à la fin? Il va encore me casser les couilles avec son moteur de merde. Mais je pense que l'entraînement avec lui, il est incroyable. No joke, l'entraînement avec lui, il est incroyable. Il avance jamais son moteur. Ça y est, viens m'aider, frère. Dans la vie, il faut trouver un équilibre. Viens t'asseoir, prends-moi, prends une petite bière. Tu ne fais que te parler d'entraînement. Détends-toi, ça peut, un peu, ça te fera du bien. Oh, mais frère, vas-y, viens, on s'entraîne, ma gueule. Interroger sur la sœur, aller au bar, rigoler avec Roy. Ok, je m'assois, je rigole avec lui. Jure, ça augmente. Attends, ça augmente la bouffe. Mais je vais rigoler avec Roy tous les jours, frère. Pas mauvaise cette bière, hein. Eh, renvoie ma gueule, je suis plus combattant, moi. C'est mon meilleur ami, j'ai jamais eu un frère comme ça. Allez, vas-y, on y va. Aussi, ok. Est augmenté de 15%. Nouvel effet. Direction le gymnase. Let's go.